Salut à toutes et toutes, ici Joe Black 67 pour une vidéo de détection. Aujourd'hui, on est le samedi 6. Il est 8h15. Il fait environ 14 degrés, je crois, que j'ai eu la dernière fois que j'ai regardé dans la voiture. Donc, comme je dis, une petite sortie de détection. On va profiter du matin. Il fait là, il y a même le brouillard là-bas. Presque frais, trop frais, disons, par rapport à l'habitude. Je suis en short, il marcelle. Mon premier trou, donc, ça a bien sonné. Je pensais bien que c'était pas quelque chose de bien. Voilà, c'est une petite boîte ronde avec un couvercle. Elle est assez dure, lourde. Je pense qu'il y a beaucoup de terre dedans. Alors, Enfin, je partirai pas bredouille de cette sortie. Il est 9h27, donc ça fait presque 1 heure que je suis là. Le brouillard est toujours là, donc l'herbe elle est humide, mais le sol est sec, forcément, vu les conditions climatiques. Cet été, je suis quand même j'ai pris le détecteur en vacances au Portugal, mais je ne l'ai pas du tout utilisé. Il a été souvent dans la voiture, mais bon, voilà. Pas eu le temps, il est trop chaud aussi de toute façon. Voilà, donc on va aller regarder. Elle est là. Et ça ressemble-tu à une de francs? Oui, ça serait mieux que je montre la monnaie. Quoique je suis pas sûr. Si, c'est bien ça, oui. Mais oui. Oui, bah, bien sûr, elle est comme Alors ça. à 2 francs, elle était là. Et ici, un autre son. Ah, je vois l'empreinte, mais elle est encore dedans. Pas très profonde. Là, voilà. Ok, c'est cool. C'est une 20 centimes. Bon, toujours moderne, hein. Vous êtes d'accord, y habitué avec moi, c'est souvent ça. Mais c'est ça aussi la détection. Nouveau petit trou là, et puis c'est une balle de musqué. Donc, les amis, comme on peut voir là, un son ici très fort. J'étais sûr que c'était de l'alu, une grosse merde. Et puis, je suis pas trop déçu parce que je l'ai déjà vu. Hein, donc, je fais comme si elle était quasiment à la même place. Je la sors juste, et puis regardez-moi ça. Hop, nickel. Elle est magnifique. Il y a des choses inscrites là. Mais je crois pas que ça soit en argent. Hein. Quoique. Si, si. Ah oui. Alors là, c'est cool alors. Magnifique. Et ben voilà. Comme quoi, hein. Faut toujours garder le moral. C'est cool. Et magnifique. Et pas très profonde. Hein. Donc. Je pense pas qu'elle soit très ancienne avec les fleurs d'Edelweiss. Donc c'est suisse hein, typiquement, forcément. Mais oui, bah oui, il est là quoi. J'arrive pas à bien voir. J'ai un peu la tremblette. Oui, je crois que c'est ça. Hein. C'est quand même mon argent. Bah c'est cool. Ah bah tip top alors. Hein. Voilà, la grosse merdue s'est transformée en la citrouille s'est transformée en une belle carrosse. Allez, on continue. C'est cool. Comme quoi, il y a toujours quelque chose dans ces coins. Allez, un petit boom au moral. Et c'est reparti. Allez, à plus. Alors ici, ouais, une dizaine de centimètres, je pense. Un son, et le voilà, l'objet en question. Je sais pas ce que c'est. Je pense que pour moi ça doit être un bouton, je pense. Ouais, à mon avis. J'ai presque cru autre chose, mais bon. On verra ça mieux au nettoyage. Je vais laisser comme ça. Mais à mon avis, c'était un bouton. Alors, donc ici, un gros trou pour juste cette petite monnaie. Mais j'ai hésité à le faire. Vraiment, parce que. Donc c'est 1 centime suisse. Avant, non.
Non, celui-là, je crois que c'est après 1950. Non, avant. Pardon, avant 1950. Il a très bon état. J'arrive pas à voir la date. Donc, comme je disais, j'ai hésité à pas le faire parce que je vais vous montrer pourquoi. Hop. Et là, comme vous pouvez voir, bah, je teste la nouvelle pelle. Hyper légère. Bah, la seule chose, c'est comme je vous ai toujours dit, pardon, par rapport à celle que j'utilise, c'est que le manche il est court et puis au niveau du dos, bah, j'ai pas l'habitude, donc je le sens un peu. Mais sinon, bah, elle est très hyper légère, c'est va très bien. Allez, je vais donc vous montrer pourquoi j'ai hésité à faire le trou. Voilà. Et comme quoi, hein, parce que vous avez déjà remarqué, des fois ça sonne un petit peu les bosses de vache, mais voilà, donc là ça a valu la peine. Allez, donc je continue. Ce Allez hop. trou, un son mitigé, j'ai hésité à creuser parce que pas très net. Mais il y a quelque chose là-bas au fond, mais je crois pas que ça soit une monnaie. On va aller voir quand même. Ben si, c'est quand même une monnaie. C'est une 20 centimes, mais c'est bizarre. C'est vraiment un son merdique. Très bizarre. Bon, du coup, ben, on continue. Alors les amis, je crois que j'arrive gentiment à la fin. Ici encore un son sympathique et une petite monnaie, 5 centimes. Voilà, donc sortie terminée. Maintenant on va éteindre le détecteur et puis on va aller à la voiture parce que arrivé trop tard à la Comme d'hab, maison. j'ai pas encore éteint mon détecteur. Et puis ici, juste au bord de la route, là, un très bon son et une 5 francs. Eh oui, ça faisait déjà un moment que j'avais plus sorti des 5 francs. Mais c'est cool. 96, si je vois bien. Alors, les amis, Allez. j'espère que vous allez bien entendre. Donc ici c'est d'une autre sortie, donc j'ai pas fait de film. Voilà les déchets. Ici donc une plaque de chien. Mais il n'y a pas de comment? Il y a juste un numéro, il n'y a pas de. Normalement il y a un dessin d'un chien comme ça, une balle, une petite boulette là. Encore deux petits déchets. Une 5 centimes. La seule monnaie que j'ai fait, un bouton qui a un petit relief. Tiens, je ne l'ai pas nettoyé, c'est dommage, mais je vais le faire, donc de toute façon je vais le garder, hein. Et cette petite bagouze, c'est une de ces bagues à deux doigts, mais bon, je pense que on peut l'utiliser comme on veut. Voilà, avec deux trèfles. C'est pas ça, ça m'a pas forcément amené plus de chance. Et d'ailleurs, c'était presque une des dernières choses que j'ai trouvé de bien. Voilà, c'est cool, c'est sympa, donc je vais quand même les garder, hein. Et ici, les trouvailles d'aujourd'hui, enfin les déchets d'aujourd'hui, pardon. Donc, un petit bout, je pense que d'un frein à main, d'un vélo moteur, ou quelque chose comme ça. Ces deux petits trucs-là, ça sonne bien comme de l'argent, mais je ne sais pas ce que c'est, quoi. Mais je pense pas que ça soit un bouton, peut-être quelque chose d'électrique, j'en sais rien. Cette petite roue là, je pense que c'est d'être d'un briquet. Peut-être, je sais pas. Donc ici quelques monnaies, comme on peut voir. Donc là, 1 centime là. Je sais pas si vous allez bien voir les dates. Le fameux petit machin que j'ai cru autre chose, mais à mon avis, c'est rien du tout. En plus, ça a été percé, enfin. C'est rouillé, c'est du plomb donc. Les monnaies, la petite balle de mousquet et la fameuse cuillère. Je crois que là c'est marqué en suisse allemand, mais c'est les montagnes du Rhône, je crois, si je ne me trompe pas. Et c'est bien de l'argent, donc c'est 800. Je ne sais pas si on va le voir, voilà. C'est cool, je suis très content. Bon, comme quoi des fois on pense que c'est vraiment une merdouille et puis. J'aurais pu parier même que c'était une merdouille, mais voilà.
En la sortant, là, j'ai été très très surpris et très content d'ailleurs. Ça fait toujours plaisir, donc en dehors de ces merdouilles, bah, voilà, il y a, comme d'habitude, hein, il y a plus de merdouilles que des bonnes choses, comme d'hab. Hein. Tout le monde connaît cette histoire. Et bon, bah voilà, alors j'ai déjà dévissé le bouchon. Voilà, on voit que la terre, là, je vais le vider peut-être par terre. Je pense qu'il n'y a rien, hein, mais voilà, c'est juste l'histoire de regarder. Hop, peut-être d'un coup on serait surpris. Mais à mon avis, il n'y a que de la terre. Voilà, c'est bien ça. Il n'y a pas d'or. Il n'y a rien du tout. Il est vide, vide. Zut. Bon, bah tant pis. C'est un déchet de moins dans la nature. Voilà, donc on a tout regardé. Je vous remercie de suivre mes aventures. Et je vous dis à tout bientôt. Et puis, donc de la vidéo précédente, si vous l'avez regardée, vous avez vu ma nouvelle pelle où je détaille le prix et tout ça. Allez, ciao, ciao, bonne continuation à tous. Et à tout bientôt pour des nouvelles aventures. J'ai plein de montages à faire, encore des films, des vacances et tout. Allez, ciao, ciao, bye bye, à plus.